That's my best friend. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mais voilà, là je suis tout seul parce que Poulette et Mia sont dans le salon, tranquillement. Et en fait, j'ai eu une petite idée en regardant en fait sur Discord vos idées de vidéos. Oui, et il y en a qui m'ont dit pourquoi tu fais pas en fait une vidéo où c'est que tu lui fais croire que tu as fait un petit rap pour elle et tu fais un rap trop nul. Trop nul et tu lui dis est-ce que c'est bien et tout, à fond et tout, tu lui fais écouter et tout. J'ai trouvé ça pas mal, j'ai dit ah ils ont une bonne idée. En fait ce que je vais faire c'est que je vais dire tiens ma femme, voilà est-ce que tu peux prendre la caméra, j'ai un petit truc à te dire, un petit rap, tout ça pour toi. Et voilà la team, donc on va rigoler je sens parce qu'en plus c'est improvisé, j'ai rien écrit donc je vais lui chanter un petit truc, je sais pas, on va trouver. Bon, Poulette, on se retrouve devant cette petite caméra. D'ailleurs, il y a Poulette qui est la caméraman, la team. Ouais, et pourquoi en fait tu fais pas l'intro? Parce que j'ai déjà fait l'intro. D'accord. Parce qu'en fait, hier soir, j'ai fait un petit truc pour toi. Ah. En fait, comme tu sais, j'ai envie de me lancer dans le rap. Oh mon dieu. Pourquoi mon dieu? Mais non, mais. Vas-y, Poulette, je veux pas rire. C'est sérieux, je te parle sérieux. Ouais, vas-y. Non, mais c'est sérieux. Et en fait, hier soir, j'ai écrit un petit truc pour toi. Oh non. Non, mais Poulette, sérieux, sinon oui, je vais oui. pas être sérieux. En fait, j'ai fait, et il faut que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, est-ce vas-y. Que tu crois que, est-ce que je pourrais être rappeur ou pas? Je connais déjà la réponse. Ça veut dire quoi? Rien. Vas-y, vas-y. Alors la team, hier soir, j'ai fait un petit texte, en fait, de rap pour Poulette, et voir peut-être que ça pourrait être ma première ou deuxième musique, parce que j'en ai déjà écrit une, ça pourrait être peut-être ma deuxième. Donc voilà. Donc je vais me lancer, mais je suis un peu timide quand même, tu vois. Alors attends, on va commencer. Ah d'accord, tu fais la musique et toi avant, ok. Un, deux. Mais non, mais sérieux. Non, mais c'est quoi ce un, deux. Mais c'est pour que je chante ma voix. Oh, voilà, je suis chaud. Allez. Alors attends, faut que... Il s'ambiance. Ça vient dans le truc. Mais non, mais il faut que tu sois sérieuse. Ouais, vas-y, je vais essayer de pas rigoler. Moi, je suis sérieux, moi. Vas-y, je vais essayer de pas rigoler. Allez. Toi, ma femme, comme je t'aime, parce que tu es trop belle. Quand je t'ai vue, je suis tombé fou d'elle. Mais le seul problème, c'est que je m'appelle pas Faudel. Mais sois sérieuse. Mais non, mais j'ai mis tout mon cœur pour faire ça. J'ai mis tout mon cœur. Je t'ai fait un enfant. C'est un petit ange dans le ciel. Ah ben non, elle est pas dans le ciel, elle est encore sur terre. Sur terre. Avec nous, nous donner du bonheur dans cet univers. Ma femme, tu es belle comme le fond d'une poubelle. C'est pour ça que je t'aime. Ma fille, la plus belle, ça fait 9 ans que tu vis parmi nous. On t'a donné... La vie, tu nous as donné des étincelles. Mais non, mais voilà la team. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas être sérieux. Oh, regardez Mia, elle en pleure. Mais non, mais j'ai écrit ça toute la nuit hier. Non, mais t'as pris une nuit pour écrire ça? Ben oui. Ben t'aurais pas dû. T'aurais dû aller dormir. Parce que c'est catastrophique. Mais non. Non, mais il faut être un minimum. Non, en plus, tu me dis. C'est pas du rap ça. Mais si. C'est ah, du rap d'amour. Ça devrait être interdit. Non mais franchement mon cœur, tu peux pas faire ça. Mais pourquoi? Non c'est pas beau. Je suis désolée. Ça part d'une bonne intention mais ça va pas du tout. Mais c'est une musique sentimentale pour toi. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Là franchement le rap français il est en train de s'écrouler. Je suis désolée la vie de moi. Mais c'est pas possible. Ton sourire m'a donné envie de t'embrasser jusqu'à l'éternité. Hein, tu devrais t'arrêter, je t'assure. Quand je t'ai vu, je suis tombé des nues. Sous un charme flou, je vois que toi depuis 9 ans. On a créé une maison, une famille, on est heureux tous les deux. Tu devrais t'arrêter. Non, pourquoi? Non, franchement, ça c'est nul. Franchement, tu veux que je te donne mon avis? Non, c'est interdit de faire des choses comme ça. Pourquoi?
pourquoi. Parce que franchement, c'est plus drôle qu'autre chose. C'est pas. Je suis dégoûtée. Non. Mais j'ai fait ça toute la nuit. Non, bah t'aurais pas dû, t'aurais dû aller dormir. Mais non, je voudrais. Oh non. Qu'on se marie, car c'est le cours de notre vie. Mais pourquoi vous rigolez? Mais moi, je suis sérieux. Mais moi, je suis sérieux. Mais c'est vrai en plus. C'est l'histoire de notre vie. Ouais, mais ça, je pense qu'on l'a compris. Oui, ça, on l'a compris, oui. Non, ça devrait être interdit. Moi, je te dis, ça devrait être interdit. Non, franchement, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Je suis désolée. C'est... En plus, tu me sors ça comme ça. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Mais j'ai mis toute ma nuit. Non, mais t'aurais. Parce que c'est de l'impro. C'était sans musique. C'est comme ça. C'est du freestyle. D'accord. Okay. Quand je te vois toute nue. Oh non. Je vois la plus belle femme du monde. Je suis. Non, mais entre toi. Non, mais entre toi et moi. Tu vas vraiment la sortir, cette vidéo de ma vie. Ah, ben ça, j'ai compris. Tu vas vraiment la sortir, cette vidéo? Surtout quand je te vois au matin. Tu me donnes envie de vomir. Avec tes petits souliers en licorne et ton pyjama. Ça me donne envie de te faire des grands câlins. Arrête-toi, je t'assure. Arrête-toi. Non, mais arrête-toi. La vie de moi, arrête-toi. Franchement, là, tu me dis ce que vous en pensez. Voilà. Moi, franchement, je suis dégoûté. Non, ça part du. Spirit et Geek. Bon, Spirit et Geek, il t'aurait pas laissé faire ça, la vie de moi. Il t'aurait pas te laissé. Regarde, tu veux qu'on leur demande? Regarde. Non, mais ça devrait être interdit, la vie de moi. Je vais leur demander. Regarde, je vais leur dire. Vas-y, moi, je suis dégoûté. Geek. Geek. Hein, hier, on a écrit toute une musique toute la nuit pour Aurélie. Ben oui, je suis en train de lui chanter. Elle rigole, elle se fout de ma gueule. Ben oui. Ben oui, je suis dégoûté. Quand je vois tes petites pommettes, ça me donne envie d'aller sur une comète. Mais pourquoi vous rigolez? J'ai écrit ça toute la nuit, ma femme. C'est très gentil, mais t'aurais pas dû. Franchement, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. J'ai envie de pleurer. Pourquoi vous rigolez? Moi, franchement, ça vient du cœur. C'était une musique sur notre vie, un amour de toi et moi. Franchement, dis la vérité, t'en as pensé quoi? Tu veux vraiment mon avis? Moi, tu sais que je suis honnête, hein. C'est pourri, la vie de moi, c'est pourri. Bah, moi, je suis honnête, c'est pourri. Tu m'aimes quand même? Bah oui. tu veux que je te dise, c'est la vidéo la plus malaisante qui va sortir sur ta chaîne. C'est on a fait ça avec Geek toute la nuit. Ah bah putain, vous auriez pas dû. Et même pas après, c'est... Ah, je rigole, maman, c'était pour rigoler, t'es malade, t'es malade. Tu avais l'air ridicule, la vie en de fait, moi. En fait, c'est quoi? C'est que je suis allé sur Discord parce que des fois, comme je l'aurais dit, c'est pour ça que j'ai pas fait l'intro parce que j'avais fait l'intro dans la chambre. Et en fait, je suis allé sur Discord et tu sais, il y a dans la boîte à idées. Oui. Et en fait, il y en avait un, il a dit, fais croire à Aurélie que tu lui fais un petit rap et tout, tu vois. Et j'ai dit, mais tiens, ça pourrait être pas mal, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je te fais croire qu'on avait fait ça avec Geek toute la nuit. Mais en fait, j'aurais dû l'écrire, je pense. Ouais, non, mais même, t'aurais pas dû l'écrire. C'est vrai? Non. En fait, je suis pas rappeur. Pas du tout. J'ai pas la voix. Laisse, non, mais c'est même pas une question de voix ou quoi, c'est laisse quelqu'un, au pire, donne tes idées, mais laisse quelqu'un écrire tes textes. Là, toi, tu peux être juste interprète, là, au pire. C'était pas écrit, c'était de l'impro. Ah. En fait, j'aurais dû peut-être l'écrire. Ça aurait été mieux quand même. Non, en fait, c'est mignon, ça part d'une bonne intention et tout, mais. Voilà. Voilà, tu vois ce que vous en pensez en vidéo. Parce que je crois que je me suis fait humilier. C'est... Je suis dégoûté. Moi, je me croyais grand rappeur. Je me croyais faire une grande vie d'artiste. Mais à ce que je vois, même ma femme, elle n'est pas avec moi. Reste youtubeur, c'est mieux. Bon, moi, on aura passé un bon moment. On aura bien rigolé. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Voilà, c'était pour embêter un petit peu Poulette et lui faire croire que j'avais écrit un rap pour elle, mais en fait elle n'y a pas cru. Vous, j'espère que vous y avez cru. J'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo un petit peu marrant. Et n'oubliez pas la team, on est en live maintenant sur Twitch. Ma chaîne Twitch, elle est en description de ma vidéo en dessous. Venez tous les soirs, on est à partir de 9h en live jusqu'à à peu près minuit sur Twitch, la team. Allez, on vous attend nombreux et nombreux. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous dis ciao. Team Ficelle.
la team ficelle, n'hésite pas à liker.